Bonjour à tous, donc Eric Mselem, je travaille effectivement à l'ESO, je suis aussi associé à l'Observatoire de Lyon. J'y suis depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai poursuivi des études principalement liées à des observations, mais aussi à de la modélisation de ces fameuses galaxies de type précoce. Alors le fait que je n'ai pas mis le titre galaxie elliptique, mais plutôt type précoce, vous allez comprendre pourquoi dans la suite. Je vais essayer dans cette présentation de m'attacher à vous montrer quelques observations récentes, on va dire dans les 5-10 dernières années, ce que l'on a appris effectivement de ces galaxies de type précoce et comment on arrive à lier de manière assez simple les observations que l'on a faites avec leur processus de formation et d'assemblage. Alors Françoise, merci pour l'invitation déjà. Et Françoise Combe, vous avez déjà donné une introduction très complète et détaillée de beaucoup de concepts. Je vais en reprendre peut-être quelques-uns pour aller un petit peu plus en profondeur sur des points sur lesquels j'ai pu travailler moi-même et en espérant que cela éclaire certains points de la présentation du cours précédent. La première chose que je vais faire, ce que je fais souvent dans mes présentations, c'est de vous montrer quelques images de galaxies parce que finalement, déjà, c'est très très beau. Et ça, je pense que c'est important pour se rappeler un petit peu la beauté de cette nature que l'on observe à travers ces télescopes, mais aussi parce qu'elle nous apprend énormément de choses sur les structures de ces galaxies et en essayant de comprendre leur structure, on va réussir à comprendre comment finalement l'univers est structuré. Alors je démarre ici avec une galaxie spirale, donc pas une galaxie de type précoce, c'est bien une galaxie de type tardif. On voit bien ici toutes les régions de formation stellaire. Cette galaxie forme des étoiles aujourd'hui, elle a une magnifique structure spirale, donc c'est une galaxie spirale classique, on va dire. Celle-ci est peut-être un petit peu moins classique, c'est quand même une galaxie spirale qui a une partie centrale qu'on appelle sphéroïde ou bulbe assez développée. En fait, il y a même une barre qu'on voit difficilement dans cette image. Et Françoise vous a déjà parlé de ces deux galaxies, une galaxie elliptique assez aplatie et une galaxie compacte qui vont faire l'objet de transparents de cette présentation. Alors voici une galaxie typique que j'appelle type précoce, on pourrait dire ici elliptique parce qu'effectivement elle a une forme de sphère aplatie. On voit dans le fond un certain nombre de galaxies irrégulières ou spirales. Donc cette galaxie, c'est une galaxie à une centaine de mégaparsecs qui est assez massive, qui fait plusieurs 10 puissance 11 masses solaires. Et qui est vraiment le prototype de la galaxie massive que l'on imagine lorsqu'on étudie ce genre d'objet. Très très lisse, très ennuyeuse finalement en termes de structure par rapport aux galaxies spirales que je vous ai présentées. Évidemment, la complexité arrive lorsqu'on commence à avoir de la résolution. Sur d'autres galaxies comme celle-ci, on voit qu'une galaxie qui finalement est relativement elliptique et simple peut avoir des structures comme un noyau au centre et puis un disque très très fin qui ressemble plus à une galaxie spirale. Et je vais y revenir. Une galaxie comme celle-ci dont François vous a déjà parlé, la galaxie du Sombrero, qui est en fait une galaxie géante, sphéroïdale, assez elliptique, mais avec un disque très proéminent. L'œil est attiré par ce disque qui en fait ne représente qu'environ 10% de la masse de la galaxie elle-même, de la masse stellaire. Mais comment classer cette galaxie? On la classe effectivement dans les types précoces, en tout cas la transition, car elle contient finalement relativement peu de gaz en proportion de sa masse. Et puis des galaxies comme celle-ci, qui sont des galaxies elliptiques standards, et puis finalement, lorsqu'on a une résolution un peu plus grande, on voit des structures au centre, comme cette petite bande de poussière, qui nous rappelle que finalement la nature n'est pas aussi simple et que ces grosses galaxies massives ont peut-être des choses à nous apprendre si on les étudie un peu plus en avant. Les choses deviennent encore plus compliquées, Françoise a abordé ce sujet, lorsqu'on a des images très profondes de ces galaxies où on détecte des structures dans les parties externes. Alors, lorsqu'on fait une image relativement peu profonde, on voit une galaxie elliptique très lisse, très ennuyeuse. Finalement, les structures à l'extérieur nous rappellent probablement comment ces galaxies se sont assemblées dans les derniers stades de la structuration de l'univers et nous rappellent aussi que ce ne sont pas juste des galaxies avec des profils de densité très lisses dans les parties externes. Donc, il va falloir expliquer à la fois la structure lisse et ennuyeuse, entre guillemets, que l'on voit au centre, et ces structures externes de galaxies. Alors, les classifications servent beaucoup à faire de la zoologie, c'est-à-dire à classer dans des boîtes le type de structure que l'on voit. Elle devient pertinente lorsque cette classification devient physique, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec un processus physique. Et c'est là où on apprend des choses et qu'elle devient réellement efficace pour les études de systèmes. Donc la galaxie de type précoce, pour moi, c'est une galaxie qui ne montre pas de structure spirale,
qui en général a relativement peu de gaz ou de poussière. Disons que ça, c'est l'apparence lorsqu'on fait une image rapide de cette galaxie. Évidemment, il y a des galaxies qui tombent un petit peu entre les deux, qui sont des galaxies elliptiques ou des galaxies de type précoce au centre. Et puis, lorsqu'on regarde la partie externe, on voit des étoiles qui se forment dans des spirales ou des anneaux. Comment classifier ces galaxies? Alors, il faut se rappeler qu'une classification doit avoir des paramètres objectifs, c'est-à-dire, par exemple, définir un rayon dans lequel on donne une classification type précoce ou type tardif. À partir du moment où on fait quelque chose de manière objective et que quelqu'un peut reproduire, on peut toujours revenir ensuite, dire ah, peut-être que ce cas est particulier, peut-être que cette galaxie elle-même est un cas particulier qu'il faut expliquer de manière différente. Et je vais revenir sur ce point, car les classifications utilisent souvent des paramètres qui sont mal définis, où finalement on utilise ce paramètre pour la partie centrale ou la partie externe, et on confond souvent, du coup, des processus de formation qui se mélangent. Alors pour cette présentation, je vais essayer de reprendre la perspective que Françoise Combes vous a donnée, processus de formation et d'évolution des galaxies de type précoce par rapport à certaines propriétés, mais je vais le faire à travers le prisme d'une relation très simple, d'un diagramme très simple, qui est en fait qui vous donne la taille et la masse de ces galaxies. Je vais essayer tout au long de la présentation, à travers ce diagramme, vous montrer comment on peut en déduire les processus de formation et ce qu'on a appris dans les 5-10 dernières années et ce qu'on espère apprendre dans le futur. Je vais revenir à la partie dynamique, c'est-à-dire au mouvement des étoiles, en particulier dans ces galaxies. Françoise vous a déjà parlé d'anisotropie. Je vous parlerai un petit peu plus de moments angulaires, donc ces fameux rotateurs lents et rapides, avec quelques mots sur l'environnement de ces galaxies de type précoce. Et puis un petit peu le présent et le futur, c'est-à-dire les campagnes d'observation très ambitieuses qui sont en cours, en particulier par exemple avec Manga, et les résultats préliminaires que l'on a pu obtenir de ces campagnes. S'il me reste un petit peu de temps, et on verra la rapidité de mon discours, je vous parlerai aussi de ce qui se passe à très haute masse. Les galaxies de type précoce très massive, on pense, pour ceux qui le connaissent, à, par exemple Messier 87 dans l'amas de la Vierge, finalement qui n'est pas une galaxie si massive que ça. Il existe des galaxies encore plus massives que ça, au-delà de 10 puissance 12 masses solaires. Et au-delà de cette masse, il semble se passer quelque chose d'assez particulier. Donc j'essaierai de vous en parler si le temps le permet. Alors partons un petit peu de l'histoire. Ceci est un diagramme, donc taille. Ici, c'est une magnitude, donc une luminosité ou une masse. Vous pouvez y penser de ces deux façons-là. Le rayon effectif ici, c'est le rayon dans lequel il y a le rayon caractéristique dans lequel il y a la moitié de la masse, la moitié de la luminosité, pardon, de la galaxie. Donc ça, c'est un diagramme avec des points, chaque point étant une galaxie, qui a été obtenu, on va dire, avant 1998, donc avec un certain nombre d'études. Et pour cela, je voudrais dire au moins une fois dans cette présentation, la plupart des choses qui ont été comprises en termes de théorie, de dynamique, d'assemblage, ont été compris bien avant que je commence même à faire de l'astronomie. Et finalement, on recycle un petit peu des processus et des théories de l'ancien temps à la sauce de nouvelles observations. Évidemment, elles sont beaucoup plus raffinées aujourd'hui, mais tous les grands principes ont été faits, même au début du XXe siècle, et donc c'est un petit peu une façon de rendre à César, ici, un certain nombre de choses dont je vais parler dans la suite. Donc, quelques points. On peut imaginer, effectivement, qu'ici, il y a une relation intéressante, avec des points qui se mettent le long d'une relation assez serrée, et on pourrait imaginer que ces points-là, ici, ces galaxies, je vais essayer avec le pointeur vert, non, sont des points déviants. Mais évidemment, à force de mettre plus de points, à force d'accumuler des observations, on se rend compte que ce diagramme devient un petit peu plus complexe. On a ici donc les galaxies de type précoce qui parcourent une variété de rayons et de masses, avec un espèce de nuage de points ici. Alors on ne sait pas si la relation principale c'est celle-ci ou celle-ci. Et puis ici on a tout ce qui est amas globulaire, amas stellaire, noyau de galaxies qu'on a aussi mis dans ce diagramme pour avoir un petit peu une calibration par rapport aux galaxies. Donc tout ça, toute cette ligne principale, cette séquence principale de galaxies précoces qui a été accumulée au cours des années, semble montrer que les galaxies n'occupent pas toute la variété possible de paramètres en taille et en masse. Finalement, elles n'occupent qu'une toute petite partie de ce diagramme. Alors, on continue avec de nouvelles observations. Le diagramme a de plus en plus de points jusqu'à arriver à une version très moderne
où cette fois-ci, on ne met pas juste les galaxies de type précoce, qui sont toujours cette grande séquence ici avec quelques points ici. Ici, les amas stellaires, donc on peut les ignorer, mais c'est juste pour avoir une calibration, donc des amas globulaires et des noyaux de galaxies. Et ici, les galaxies qu'on a un petit peu oubliées, qui sont les galaxies spirales, qui sont représentées juste par une petite ellipse. Donc les galaxies de type précoce vont de quelques 10 puissance 8, 10 puissance 7 masses solaires jusqu'à 10 puissance 12 et plus masses solaires. On voit qu'en fait, pendant une grande partie de ce diagramme, la taille caractéristique de ces galaxies de type précoce, c'est environ 1 kg par sec, ça vous donne une idée. Mais ça monte à 10, même 100 kg par sec dès qu'on en arrive aux masses extrêmes. Et les galaxies spirales, finalement, sont superposées aux galaxies de type précoce, mais légèrement décalées. Je ne les ai pas représentées ici pour ne pas avoir un diagramme illisible, mais elles sont légèrement décalées, elles sont légèrement plus grandes ou légèrement moins massives selon la manière dont vous le regardez. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce diagramme, d'un diagramme comme ça ? Ben, finalement, si on réfléchit en termes d'évolution, en termes de croissance de ces galaxies, on peut imaginer qu'une galaxie qui se trouve par là, une petite galaxie naine, si elle arrive à accréter du gaz, peut-être par les filaments des structures cosmologiques, elle va former des étoiles, elle va grandir si le gaz a un certain moment angulaire, et elle va grossir donc en taille, mais aussi en masse. Et donc elle va suivre une évolution, peut-être assez lente, dans cette direction, dans la direction de la flèche. Donc ça nous donne une idée de peut-être de la raison pour laquelle on a cette séquence. Ça peut être un problème initial, juste de la taille et de la masse des galaxies initialement formées, mais ça peut être simplement un processus long et étendu de formation stellaire qui vont faire croître la taille et la masse des galaxies. On peut imaginer ici deux autres flèches qui viennent directement de la théorie de fusion de deux systèmes stellaires. Si on prend deux galaxies identiques, sphériques d'une certaine masse, qui sont à ce niveau-là du diagramme, et qu'on les fusionne, on va aller dans cette direction ici, en fait. Si on fusionne une galaxie d'une certaine masse avec une galaxie un petit peu plus petite, on va avoir une flèche d'évolution qui va aller à peu près dans cette direction-là. Donc finalement, dans cette partie-là du diagramme, on peut imaginer d'ores et déjà que ces galaxies-là ont subi un certain nombre de fusions, soit avec des galaxies de même masse, soit avec des plus petites galaxies. Et donc déjà, simplement avec ces principes très simples, on peut imaginer que cette séquence principale de galaxies est coupée en deux grands régimes. Un régime où ces galaxies-là croissent finalement par accrétion, simplement en formant des étoiles au sein de leur disque. Et ces galaxies-là sont dominées par un processus d'assemblage. Ce n'est pas de la formation in situ, c'est de la formation ex situ. Finalement, les étoiles se forment dans d'autres galaxies qui sont accrétées ensuite, fusionnées. On peut imaginer d'autres processus, un processus inverse, une galaxie qui est au sein d'un groupe ou d'un amas de galaxies et qui se fait éplucher du fait des interactions des forces de marée qui s'appliquent à cette petite galaxie. Donc si on démarre ici, on peut imaginer un processus assez lent aussi. À chaque fois qu'il y a une interaction, il y a un épluchage d'une partie de l'enveloppe de cette galaxie qui finalement a sa masse qui décroît inévitablement, mais aussi son rayon. Et donc on peut, à partir de galaxies ici, arriver à des galaxies qui sont dans cette partie du diagramme et qui se reconnectent avec les amas stellaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc avec tout ça, on a une espèce de diagramme un petit peu à la main, qui est tout à fait naïf, mais qui finalement n'est pas si loin de la vérité, où on a ici donc de nouveau le rayon, la taille de la galaxie, la masse stellaire caractéristique. On a, par ces tracés de couleurs, la distribution des galaxies avec effectivement une espèce de séquence principale et un décrochage à un certain endroit, qu'on voit bien ici, vous voyez. Donc la séquence principale, le décrochage et puis la pente très très abrupte. Et on peut imaginer donc des processus de formation et d'assemblage, ici par accrétion de gaz et formation stellaire au sein de la galaxie, ici par fusion et ici par épluchage. Alors c'est très simpliste, il y a beaucoup d'autres processus qui rentrent en jeu dans cette formation et évolution des galaxies de type précoce, mais disons que ça donne déjà une bonne idée de là où on peut démarrer pour notre étude et de se dire, est-ce que maintenant, dans les observations, on a des traces de tout ça ? Alors, il y a une chose qu'il faut tout de suite dire, c'est que ce diagramme de taille-masse, c'est un diagramme aujourd'hui, des galaxies qu'on observe à relativement proche distance de nous, donc on les observe aujourd'hui, on ne les observe pas il y a 10 milliards d'années, et finalement, se dire que ces galaxies circulent là où elles sont aujourd'hui, c'est un petit peu faux. Si on regarde maintenant l'évolution en fonction du redshift de ce diagramme taille-masse, on prend à relativement haut redshift, donc Z égale 2,75,
Donc ça veut dire 2,5 milliards d'années après le début du Big Bang. On a les galaxies de type précoce en rouge, les galaxies de type tardif, donc plus spirale en bleu, et on s'aperçoit que par rapport à un diagramme qui est plus fait avec des galaxies de proches, les galaxies de type précoce sont beaucoup plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les progéniteurs de ces galaxies de type précoce sont probablement des galaxies très compactes, relativement massives, déjà très massives, ça, Françoise a insisté là-dessus, elles se forment très tôt, leurs étoiles se forment tôt, mais elles se forment dans un cœur relativement compact. Et ce qui est assez cohérent avec le fait qu'au début de l'univers, il y a beaucoup de gaz qui va former des étoiles de manière très dissipative et très violente, et qui va former finalement des cœurs d'étoiles très massifs qui vont ensuite agréger, accréter des galaxies pour fusionner et avoir une taille plus grande, mais rester à masse relativement constante. Et c'est un petit peu cette évolution que l'on voit ici, en partant du début de l'univers jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Donc finalement, quand on revient à ce diagramme, il faut se méfier de ces flèches qui sont statiques, qui ne tiennent pas compte de l'évolution dans le temps de ce diagramme lui-même. Les points se déplacent en fonction du temps, évidemment. Donc le diagramme lui-même change de forme en fonction du temps. Alors je vous ai dit que je vous parlerai de dynamique. Donc quid de la dynamique ? Pour un dynamicien, le Graal, finalement, en supposant qu'on évite de parler du gaz et de la poussière qui sont embêtants, la poussière, ça absorbe la lumière, c'est compliqué pour observer les étoiles qui sont derrière. Le gaz, c'est aussi compliqué, ça veut dire dissipation, et en termes de dynamique, c'est compliqué à traiter dans les modèles. Mais si on ignore tout ça et on reste sur tout ce qui est non dissipatif, non collisionnel, comme Françoise l'a rappelé, c'est-à-dire les étoiles et la matière noire, le Graal des dynamiciens, c'est cette fameuse fonction de distribution. Ça vous donne en fait le nombre d'étoiles qui, en chaque position de la galaxie, et aussi par valeur de vitesse. Donc combien y a-t-il d'étoiles qui sont à cette position et à cette vitesse? Donc c'est exprimé simplement en fonction de coordonnées spatiales, pour vous donner la densité d'étoiles à cet endroit-là, des vitesses, combien y a-t-il d'étoiles à cette vitesse-là, et puis on pourrait rajouter une kyrielle de paramètres, qui pourrait être intéressant. La première, évidemment, intéressante, c'est le temps. La galaxie elle-même ne va pas rester exactement statique. Elle va évoluer dans sa forme, dans son extension. On peut imaginer aussi l'âge. Elle va accréter des étoiles. Donc l'âge moyen des étoiles va évoluer. On va accréter des étoiles qui viennent d'être formées. On peut aussi changer la métallicité de ces étoiles, d'une façon ou d'une autre. Donc finalement, cette fonction aurait énormément de paramètres. Et le Graal, ce serait d'avoir pour une galaxie toute cette information. À partir de là, en principe, si on connaît bien notre physique, on arriverait à revenir en arrière ou au moins à avoir des informations très contraintes sur la manière dont la galaxie s'est formée et assemblée. Alors, il faut revenir un peu les pieds sur Terre. La première chose, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on fait ce genre d'études, on oublie complètement ce qu'on appelle population stellaire, c'est-à-dire l'âge, la métallicité, l'abondance en éléments. Simplement parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a des astronomes qui s'occupent très spécifiquement de tout ce qui est population stellaire et d'autres qui s'occupent plus spécifiquement de la dynamique. Évidemment, le futur, c'est de mettre tout ça ensemble. Mais pour, disons, les études qui ont été faites dans les 20-25 dernières années, la plupart se concentrent sur la partie, on va dire, dynamique, c'est-à-dire la densité et le mouvement des étoiles. Bon, mais donc, on a une fonction qui a au moins 7 paramètres si on a le temps dedans. Alors, dans l'espace réel, on a évidemment, en général, quand on fait de la photométrie, de l'imagerie ou de la spectroscopie, on a un temps, on ne peut pas regarder un film de l'évolution de la galaxie, donc le temps disparaît. Et puis on n'a pas 6 coordonnées, 3 de position et 3 de vitesse, on en a 2 de position, puisque c'est la projection sur le ciel, et on a juste la vitesse radiale des étoiles par effet Doppler. Alors là, normalement, quand on a réalisé ça, on va changer de métier tout de suite, on se dit c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Mais il y a quand même des moyens de traiter cette information-là pour revenir en arrière et essayer de reconstruire finalement cette fonction de distribution. Alors la première chose à laquelle il faut revenir, c'est les galaxies de type précoce, ce ne sont pas des galaxies simples. Le paradigme qui a perduré pendant pratiquement 35 ans, c'est le fait qu'on a une galaxie elliptique qui finalement a relativement peu de rotation moyenne des étoiles. Les étoiles, elles, tournent très vite, mais en moyenne, leur mouvement est proche de zéro. Après les observations des années 80, c'était le paradigme qui en est sorti. Et pour faire ça, comment fait-on à partir d'un disque
comme une spirale qui, elle, a des étoiles qui tournent très vite. Eh bien, tout ce qu'on peut faire, c'est les mélanger. Donc, on fusionne deux galaxies spirales. Et avec ça, miracle, on a une galaxie elliptique moins aplatie qui tourne beaucoup plus lentement. Ça, c'était le paradigme. Et ça, c'est un petit peu cette galaxie 7252. C'est un petit peu le prototype de ce paradigme de formation des galaxies elliptiques par fusion de deux galaxies spirales. Par des modèles, une modélisation avec des simulations numériques, on a réussi à un peu reconstituer l'assemblage de cette galaxie-là. On a effectivement des traces dues à ces grandes queues de marée ici et puis à toutes ces structures, que c'était effectivement une fusion qui est en train de se passer. Elle n'est pas encore finie, d'où l'avantage d'observer ce genre de galaxie. Et on imagine, si on continue la simulation numérique, qu'effectivement, dans 1 ou 2 milliards d'années, elle va ressembler à une galaxie elliptique relativement lisse et tranquille. Si on fait un zoom sur cette galaxie, on voit qu'en fait, il y a des structures très intéressantes. On a les coquilles dont Françoise vous a parlé, qui sont vraiment des traceurs de cette interaction, de cette fusion. Et puis, on a de la formation stellaire dans les parties centrales, avec un petit disque d'étoiles d'étoiles jeunes, bleues, avec de la poussière tout autour. Alors, ce qu'on regarde maintenant, quand on fait de la spectroscopie intégrale de champ, donc pour essayer d'avoir le mouvement des étoiles dans cette partie centrale, on s'aperçoit effectivement que le mouvement des étoiles est assez compliqué. Donc, ici, c'est un champ de vitesse. En rouge, les étoiles s'éloignent. En bleu, elles se rapprochent. Et on voit que les parties rouges et les parties bleues sont un petit peu ne sont pas alignées au centre et à l'extérieur. On voit que ici, au centre, ça tourne autour de cet axe-là, alors qu'à l'extérieur, c'est plutôt autour de cet axe-là. Donc, il y a une structure complexe avec un cœur qui est cinématiquement découplé et qui, ce cœur découplé, semble être coïncident avec un disque de gaz qui lui, tourne comme un disque très régulier. Donc, on imagine bien que ce paradigme pourrait marcher. On a deux galaxies spirales, on les fusionne, on mélange tout, on attend un petit peu que tout se relaxe tranquillement et au bout de 2 ou 3 milliards d'années, on a une magnifique galaxie elliptique et on a tout expliqué par fusion. Et ça correspond un petit peu au plan masse-taille dont je vous ai parlé, où on voyait que les galaxies de type précoce relativement massives se distribuaient le long d'une séquence relativement inclinée dans ce plan, qui était compatible avec des fusions majeures ou mineures. Bon, ce n'est pas aussi simple que ça, bien évidemment. La première chose, c'est qu'on peut finalement vérifier ce genre de processus par des simulations numériques, et on s'aperçoit en faisant des simulations numériques de fusion de deux galaxies spirales, qu'effectivement, on peut obtenir des galaxies qui ressemblent à des galaxies elliptiques, non seulement parce qu'elles ont une forme elliptique, ce qui est plutôt rassurant, mais aussi parce qu'elles ont ces structures découplées et cette complexité de la vitesse, de la dynamique dans les étoiles que l'on observe. Donc ça, c'est la luminosité de la galaxie après fusion, son champ de vitesse et son champ de dispersion, qui représente bien ce que l'on peut voir dans un certain nombre de galaxies massives. Alors la première chose qu'il faut voir avec ces simulations, c'est qu'elles nous apprennent, un, que l'on peut reproduire ces galaxies elliptiques, mais deux, qu'il reste du moment angulaire, qu'on n'a pas tout mélangé finalement, il reste une trace de la rotation initiale dans ces galaxies. Finalement, lorsqu'on regarde la quantité de moment angulaire qui reste dans ces galaxies-là, elle n'est pas si faible que ça. Elle est beaucoup plus faible qu'une galaxie spirale typique, mais elle n'est pas si faible que ça. La deuxième chose, c'est que si on répète cette expérience en fusionnant deux grosses galaxies spirales, on a pratiquement toujours une structure très complexe avec des cœurs découplés. Donc ça veut dire que finalement, si on a cette signature dans les observations, on pourra peut-être identifier ça à une fusion. Alors évidemment, on a des outils qui sont des outils plutôt globaux. On peut évidemment modéliser les galaxies, chaque galaxie individuelle en détail. Mais la plupart du temps, quand on a des statistiques sur des centaines de galaxies ou des milliers de galaxies, on va appliquer des outils relativement globaux pour définir quelle est la dynamique typique de l'objet que l'on regarde. Et c'est ce dont Françoise vous a déjà parlé. On va regarder, par exemple, ce qu'on appelle la dispersion de vitesse ou la vitesse moyenne. Alors la vitesse moyenne, c'est simplement une mesure de la rotation moyenne des étoiles à certains endroits de la galaxie. Et la dispersion, ben, finalement, on a une température dynamique qui et peut être mesuré dans les trois axes, selon les trois axes X, Y et Z. Et en regardant quelle forme cette température dynamique a, donc le rapport entre la dispersion, par exemple, verticale et radiale, ou la dispersion verticale et azimutale, on a une idée globale du type de dynamique que l'on a dans ce système.
Et c'est ce qu'on appelle l'anisotropie. Anisotropie, c'est en opposition à isotropie. Isotropie, ce serait une galaxie pour laquelle la dispersion est la même, quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez. Donc la température dynamique serait la même dans toutes les directions. Une anisotropie serait donc une déviation de cette loi. Alors comment on fait pour mesurer ça ? Eh bien, on utilise ce dont Françoise vous a parlé, c'est-à-dire le rapport entre la vitesse moyenne et la dispersion. Finalement, s'il y a beaucoup de vitesse et très peu de dispersion, comme dans un disque de galaxie spirale, on va avoir un V sur sigma très grand et on peut imaginer que la dispersion verticale des étoiles est très faible, hein, puisque le disque est très fin, il ne peut pas y avoir une grande dispersion, une grande température verticale. Et ça nous donne une idée donc assez précise de la dynamique de ce système. Si au contraire V est très petit par rapport à cette dispersion sigma, donc on va se retrouver dans la partie basse de ce diagramme, ça veut dire qu'on a beaucoup mélangé les orbites. En tout cas, on a réussi à faire en sorte que même si les étoiles individuellement tournent, la vitesse moyenne, quand on prend toutes les étoiles ensemble, est relativement faible. Alors évidemment, c'est lié à l'aplatissement de la galaxie, à l'aplatissement du système. De manière naturelle, lorsqu'on a une galaxie très aplatie, donc avec une ellipticité très grande, ici, on imagine que la galaxie peut tourner très très vite. Donc c'est une galaxie... naturellement, on s'attendrait à ce qu'une galaxie aplatie soit ici, rotation très rapide avec V sur sigma assez grand. Si la galaxie est ronde, soit ça veut dire qu'elle est sphérique et probablement elle a une vitesse nulle, ou soit ça veut dire qu'elle est vue de face et dans ce cas-là, sa vitesse, dans tous les cas, observée est nulle parce qu'il n'y a pas de vitesse Doppler radiale par rapport à vous. Donc ça veut dire qu'on va se déplacer d'ici à ici selon l'aplatissement de la galaxie. Alors le problème, c'est que ça, cette courbe-là, c'est la courbe isotrope. Et les galaxies ne sont pas isotropes, évidemment, ce serait trop simple, et qu'en fait, chacune de ces courbes de différentes couleurs vous montre ce que le modèle devient lorsqu'on prend une anisotropie de 0,1, 0,2, etc. C'est-à-dire qu'on change l'axe de dispersion des vitesses, la valeur de l'axe de dispersion, du rapport de dispersion des vitesses. Une deuxième complication, parce que ce serait encore trop simple, c'est qu'à partir du moment où vous prenez une galaxie qui a une anisotropie donnée, un aplatissement donné, si vous l'inclinez, vous changez sa position dans ce diagramme. Et la position des galaxies dans ce diagramme va effectivement changer en partant vue de profil ici à vue de face ici, de cette façon-là. Et c'est bien le problème, tout le problème de cette valeur de V sur sigma. Les dynamiciens avaient bien compris ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est qu'en fait, cette mesure observationnelle de V sur sigma va dépendre énormément de l'inclinaison. Donc ce qu'on a fait il y a un peu plus d'une dizaine d'années, c'est qu'on a changé vraiment très, très légèrement cette valeur, ce V sur sigma, et on l'a réécrit en appelant ça avec un autre nom, juste pour se démarquer un petit peu, lambda R, où finalement on a un V et un sigma, donc c'est à peu près la même chose, sauf que en l'écrivant comme ça, la dépendance à l'inclinaison est beaucoup plus faible. Ça veut dire que la galaxie, en s'inclinant, va évidemment changer sa forme apparente, elle va devenir de plus en plus ronde, mais elle va rester avec un moment angulaire relativement fort sur ce diagramme. Alors, ça correspond à quoi, ce lambda? C'est un moment angulaire divisé par quelque chose qui est proportionnel à la masse. Ça, c'est pour recalibrer. Qu'on ait une galaxie géante ou une galaxie naine, il ne faut pas que ce paramètre en dépende. Et puis, on a un moyen âge spatial. On utilise la spectrographie intégrale de champ pour faire une moyenne sur une grosse partie de la galaxie, sur à peu près la moitié de la galaxie. Et en faisant ça, on arrive à un diagramme comme ça, que Françoise vous a déjà présenté. Donc c'est la même chose, hein. C'est V sur sigma, on n'a rien inventé, réécrit un petit peu pour que ce soit un peu plus robuste vis-à-vis des effets d'inclinaison, et puis l'aplatissement, ici rond et ici aplati. Et ce que l'on a vu tout de suite, en ayant la cinématique de ces galaxies observées avec un spectrographe intégral de champ, ici on voit un champ de vitesse très très régulier, avec des étoiles qui tournent dans un sens, avec un champ de vitesse stellaire régulier. Ici, un champ de vitesse stellaire un peu plus perturbé, avec un cœur découplé à un angle important. Et on s'est aperçu, en regardant une à une ces galaxies, il y en avait un peu moins de 300, donc c'était faisable, que finalement, toutes les galaxies en violet, on a appelé ça des galaxies régulières, ils ont un champ de vitesse régulier. Et toutes les autres galaxies, que ce soit rouge ou vert, elles ont un champ de vitesse irrégulier, comme celui-ci, soit perturbé, soit avec des structures assez complexes. Alors c'est parfaitement qualitatif, mais il se trouve que lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit que toutes les galaxies irrégulières sont ici, et toutes les galaxies régulières sont là.
Maintenant, si on va un peu plus dans le détail, c'est ce que Françoise vous a montré, on peut classifier chaque champ de vitesse en lui mettant quelques caractéristiques supplémentaires. Alors, toutes les galaxies régulières sont là. On peut aussi dire quand est-ce qu'il y a un cœur découplé, donc ce sont les triangles verts. On peut dire si la galaxie est ce qu'on appelle un 2 sigma, elle a ses deux pics de dispersion. C'est souvent l'indication que deux disques en contre-rotation, l'un par rapport à l'autre, ont fusionné. Donc il y a tous ces petits symboles infinis. On s'aperçoit finalement que toutes ces galaxies régulières sont distribuées dans la partie supérieure du diagramme. Donc c'est des galaxies qui sont relativement bien, qui ont une rotation significative. Et maintenant, on revient finalement à la classification historique elliptique lenticulaire, qui est celle que tout le monde utilisait à ce moment-là, où on a les elliptiques en noir et les lenticulaires en symbole ouvert avec un espèce de petit disque. Et on s'aperçoit d'une chose un peu particulière. Finalement, les galaxies elliptiques ont un aplatissement limite de l'ordre de 0,4-0,5. On ne voit pas de galaxie elliptique qui est très aplatie. C'est assez naturel. Si on voit une galaxie très aplatie, tout de suite on pense à un disque et on la classe dans les lenticulaires. Même si elle ressemble à une galaxie un petit peu moins aplatie qu'on va appeler elliptique. Il y a un autre problème dans ce diagramme, c'est que finalement une galaxie ici lenticulaire, si elle est inclinée en partant de la vue de profil, inclinée pour aller vers une vue de face, il y a un moment on ne verra plus son disque et finalement elle aura peut-être l'apparence d'une galaxie elliptique. Ce qui veut probablement dire que un certain nombre de ces galaxies ici sont des galaxies lenticulaires mal classées, finalement, mises dans la mauvaise boîte. Alors, en allant un peu plus loin, on s'aperçoit que finalement, l'effet de l'inclinaison prédit que le nombre de galaxies elliptiques ici devrait être à peu près aussi grand que le nombre de galaxies elliptiques ici, simplement parce que s'il y a une galaxie elliptique dans la partie basse du diagramme, elle doit aussi avoir son équivalent dans la partie haute, simplement la même galaxie mais vue de profil. Or, ce n'est pas le cas, il y a de plus en plus de galaxies vers la partie gauche, en bas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et en fait, on peut le voir ici avec cette simulation, où on a pris un ensemble de galaxies, on les a tournées dans tous les sens de manière aléatoire, et on a reproduit la distribution avec ces couleurs rouges. Et on s'aperçoit finalement que la distribution en contour, là, en couleur, correspond à peu près à l'ensemble des galaxies régulières. Donc ça veut dire que finalement, je peux expliquer toute cette famille de galaxies que j'appelle régulières par une seule famille, qui serait une famille de galaxies simplement de sphères aplaties, alors qui ont des disques plus ou moins fins, des sphéroïdes plus ou moins grands, mais qui sont toutes à peu près les mêmes, simplement avec des changements de rapport entre le bulbe et le disque qui varient entre 0,1 et 0,8. Et finalement, les seules qui ne sont pas modélisables par cette simulation, ce sont ces galaxies-là, qui sont les galaxies irrégulières. Ce qui nous dirait quelque chose de fondamental, qui sont que cette population de galaxies est différente de cette population. Ce ne sont pas du tout les mêmes systèmes. Et ça, on peut le voir de manière vraiment objective en faisant une modélisation individuelle de chacune de ces galaxies. Et ce que l'on découvre alors à ce moment-là, en prenant un paramètre ici, kappa, qui est en fait une sorte d'anisotropie, on peut le voir comme ça, et on regarde le nombre de galaxies pour les galaxies lenticulaires régulières et les galaxies elliptiques régulières, on s'aperçoit qu'elles ont exactement la même position, c'est un pic à la même position et avec le même écart-type. Donc ça veut dire que les elliptiques régulières et les lenticulaires régulières n'ont pas de différence de distribution dans ce diagramme d'anisotropie. Ce qui veut aussi dire, par conséquent, que les elliptiques ici sont en fait des lenticulaires mal classifiés. Donc il faut oublier cette classification elliptique-lenticulaire, il faut les mettre soit ensemble et les traiter comme des types précoces dans leur ensemble, soit trouver une autre façon de séparer les systèmes dont je vous ai parlé ici, qui ont l'air assez particuliers, de ces systèmes-là. Et c'est ce qu'on a fait finalement en définissant une relation empirique parfaitement arbitraire, et en établissant une relation ici, qui est la courbe verte, de séparation entre ces galaxies régulières et les galaxies et ces galaxies régulières, à cinématique régulière. Donc on les a appelées, on n'avait pas beaucoup d'imagination, les rotateurs lents et les rotateurs rapides. Et finalement, on s'aperçoit, rien qu'avec ce diagramme, que cette classification est beaucoup plus physiquement pertinente que la classification elliptique lenticulaire, qui, elle, introduisait finalement un biais. La moitié des elliptiques sont en fait des S0, des lenticulaires mal classés.
On peut le voir aussi ici, lorsque cette fois-ci on colore les points, ou on prend la taille des points comme la masse, donc 10 puissance 12, 10 puissance 11, 10 puissance 10, et on voit que la plupart des galaxies massives sont dans la partie basse du diagramme. Il y a vraiment une dichotomie en termes de distribution en masse entre les rotateurs lents et les rotateurs rapides. Donc ça, ça nous dit aussi qu'on est sur la bonne voie, a priori. Parce que la masse d'une galaxie, quelle que soit son inclinaison, en principe, on arrive à la voir avec des incertitudes de l'ordre de 10-20%, globalement. Alors revenons maintenant au paradigme. Le paradigme, c'était, pour avoir une galaxie de type précoce ou elliptique, j'aime pas bien le mot elliptique parce que c'est lié avec ce E dont je vous ai parlé, qui est pour moi une classification qui ne marche pas bien. Donc pour avoir une galaxie de type précoce, on mélange deux galaxies spirales. Alors si on fait l'exercice et qu'on revient dans ce diagramme lambda epsilon, on part de galaxies spirales qui sont les progéniteurs, donc qui sont distribuées ici, donc des galaxies de type spirale qui tournent assez vite, qui sont des rotateurs rapides, c'est ce qu'on attend, et on les fusionne, et quand on les fusionne, on obtient ça. Donc on obtient une distribution de galaxies en rouge et une distribution de galaxies en vert, ici. En bleu. Alors cette partie-là, ça veut dire que même en fusionnant deux galaxies spirales, selon la configuration de l'orbite de ces deux galaxies, on peut avoir un rotateur rapide. Et cette partie-là nous montre qu'on arrive effectivement à créer des rotateurs lents, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors l'explication, elle est simple, c'est que le fait naïf qu'on avait pris comme base, comme hypothèse, on mélange les deux galaxies et à la fin, il n'y a plus de rotation moyenne. Ben, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on prend deux galaxies spirales, il y a beaucoup de moments angulaires dans l'orbite d'une galaxie par rapport à l'autre. Et en fait, il y a plus de moments angulaires dans le moment orbital que dans les galaxies elles-mêmes. Donc si les deux galaxies fusionnent de manière radiale, frontale, il y a peu de moments angulaires dans l'orbite, et finalement, elles vont se mélanger et faire une galaxie elliptique qui tourne très peu. Mais si elles arrivent avec une orbite qui est presque circulaire et elles fusionnent au bout d'un certain temps, il y a beaucoup de moments angulaires dans l'orbite et il va en rester dans la galaxie fusionnée. Donc ça veut dire en gros que les galaxies de type précoce, on peut en former par des fusions de grosses galaxies spirales, mais que ce n'est certainement pas la seule façon de le faire. Et en fait, lorsqu'on fait des simulations dans un contexte cosmologique où on a tous les amas de matière noire et les baryons qui se condensent à l'intérieur et qui interagissent entre eux, on s'aperçoit que lorsqu'on regarde l'histoire de ces galaxies de type précoce, elle est très complexe. On voit ici un diagramme qui montre dans le temps, en partant des redshifts O jusqu'à aujourd'hui, toutes les fusions qui ont eu lieu pour chacune de ces galaxies. Les barres oranges, ce sont des fusions mineures, et les barres noires, ce sont des fusions majeures. Et on a trouvé finalement six types différents en fonction de la croissance de la masse en noir ou la variation du moment angulaire. Quelquefois, on a une fusion majeure qui va effectivement abaisser le moment angulaire. Mais quelquefois, c'est l'inverse. On a une fusion majeure, les galaxies avaient un moment angulaire déjà assez bas, et finalement, le moment angulaire grandit parce qu'il y avait beaucoup de moments angulaires dans l'orbite entre ces deux galaxies qui fusionnent. Donc finalement, lorsqu'on voit ça, on se dit, bon, bah, c'est foutu, on n'a aucune idée de ce qui se passe, c'est trop compliqué. Ça va dépendre de l'histoire individuelle de chaque galaxie, des interactions qu'elle peut avoir, de l'accrétion du gaz, de l'épluchage. Heureusement, on est sauvé, il y a des tendances, et les tendances, elles sont alliées avec la masse. On a ici un diagramme masse-moment angulaire de ces simulations numériques, et ce que l'on voit, en gros, c'est qu'à petite masse, on a des galaxies qui ont tous les moments angulaires. On a des galaxies qui tournent très rapidement et des galaxies qui sont des rotateurs lents. Mais alors qu'on se dirige vers les grandes masses, on voit qu'en fait, les rotateurs rapides commencent à disparaître, et on a à la fin, dans les points orangés et rouges, pratiquement que des rotateurs lents. Donc il y a une tendance ici qui n'est pas très claire, mais on a l'impression qu'il y a un saut abrupt aux alentours de 10 puissance 11.20, un truc comme ça. Alors maintenant, si on regarde une autre quantité, ça devient beaucoup plus clair. On regarde la fraction de la masse de la galaxie qui a été formée à l'intérieur de la galaxie. C'est-à-dire qu'une galaxie va commencer à se former, finalement elle démarre avec une certaine masse par simplement formation stellaire et accrétion de gaz au début de l'univers, et puis elle va continuer à former des étoiles au sein de son disque, et aussi accréter d'autres systèmes, donc fusionner avec d'autres galaxies. Toutes les étoiles qui sont formées en interne dans le disque, on les appelle in situ, toutes les étoiles qui sont finalement assemblées, prises sur des galaxies externes, on va les nommer ex situ.
Et ce que l'on voit ici, c'est que la fraction de masse in situ décroît avec la masse. Finalement, les galaxies massives au-delà de 10 puissance 11 ont pratiquement toutes moins de 20% des étoiles qui ont été formées à l'intérieur de cette galaxie. 80% a été accrété de l'extérieur. Et c'est peut-être là une clé pour la compréhension de leur formation. Alors, sans aller trop dans le détail, ici, on voit toujours le rayon et la masse. Alors, cette fois-ci, la grande masse sont à gauche, malheureusement. Pour des galaxies de type tardif et de type précoce, et ce que l'on voit, c'est que ça, c'est l'évolution dans le temps du début du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. On voit que l'évolution est relativement lente pour les galaxies de type tardif, mais relativement rapide pour les galaxies, très pentue pour les galaxies de type précoce. Et on le voit d'une manière différente ici, où on voit la fraction de masse qui a été formée dans la galaxie pour des galaxies de type de masse très faible, donc entre 10 puissance 9.5 et 10 puissance 10 par exemple, où finalement le profil est relativement plat, ce qui veut dire qu'à peu près à n'importe quel moment il se forme des étoiles, à peu près au même taux, alors que pour les galaxies massives, donc particulièrement pour les galaxies de type précoce, pratiquement toutes les étoiles se sont formées au début de l'univers, de l'histoire de l'univers. Alors c'est pas parce qu'elles se sont formées au début de l'univers qu'elles se sont formées dans la galaxie. Ce qu'on a vu juste avant, c'est que ces étoiles-là se forment au début de l'histoire de l'univers et s'assemblent après. Donc il y a finalement deux phases pour les galaxies de type précoce. Il y a une phase in situ au tout début très rapide qui forme beaucoup de masse. Et puis finalement après, la galaxie va grandir, mais elle va grandir d'une façon un peu particulière en fusionnant avec d'autres galaxies. Alors ce schéma-là évidemment est assez simpliste, c'est pas comme ça que ça se passe pour toutes les galaxies de type précoce, mais c'est la tendance globale. Et cette tendance-là, dans les simulations, on le voit bien, la fraction de masse ex situ, donc qui a été formée en dehors de la galaxie et qui a été assemblée, au-delà de 10 puissance 11 masse solaire, devient extrêmement grande. Pratiquement la majorité de toutes des étoiles qui sont au sein des galaxies de type précoce aujourd'hui a été formée dans d'autres galaxies et ont été accrétées. Alors on peut voir maintenant où cette masse stellaire s'assemble. Ici, on a trois types de galaxies, de la plus faible à la plus grande masse. Et ce que l'on voit ici, ce sont toutes les étoiles de cette galaxie. Et on voit les étoiles qui ont été formées à l'extérieur et qui ont été assemblées, et les étoiles qui ont été formées à l'intérieur. Et on voit très bien que les étoiles qui ont été accrétées plutôt vers l'extérieur. Et que la partie in situ, donc les étoiles qui ont été formées dans la galaxie elle-même, sont relativement compactes et centrales. Donc ça, c'est une façon aussi d'imaginer que quand on regarde les parties centrales de galaxies de type précoce, on va voir des étoiles qui sont formées de manière majoritaire dans le système, alors que lorsqu'on va vers l'extérieur de la galaxie, les étoiles ont été majoritairement accrétées. En termes d'environnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'il va y avoir un lien entre l'endroit où les galaxies de type précoce vont se former et la densité de galaxies. Si effectivement la deuxième phase est correcte, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de fusions avec des petites et des grandes galaxies, on peut imaginer que ça ne peut arriver que dans des endroits où il y a beaucoup de galaxies. Alors ce que l'on voit ici, c'est que les rotateurs lents qui sont en rouge sont près de manière majoritaire dans les parties très denses des amas. Donc ça, c'est l'amas de la Vierge, l'amas de Coma. Les rotateurs rapides sont les points en bleu et les spirales sont en vert. On voit deux amas qui sont à des niveaux d'évolution assez différents. On voit ici qu'il y a encore beaucoup de galaxies spirales à peu près partout dans l'amas, alors qu'ici, elles sont pratiquement réparties dans la partie extérieure. Elles ont toutes été processées par l'évolution, par les interactions. Mais dans tous les cas, les rotateurs lents sont toujours dans les parties très denses, ce qui veut dire que probablement, on a un effet de l'environnement sur la formation des galaxies elliptiques, enfin des galaxies de type précoce. Alors, est-ce que c'est un problème d'environnement? On reviendra là-dessus plus tard. En tout cas, c'est assez naturel. Il y a une chose qui n'est pas naturelle, c'est qu'un dynamicien vous dira que ce n'est pas possible, parce que dans les amas en question, les vitesses entre deux galaxies sont tellement grandes qu'elles ne peuvent pas fusionner. Alors, il y a un moyen de résoudre ce problème, qui est qu'en fait, une galaxie n'arrive pas toute seule à l'intérieur d'un amas, elle arrive avec un groupe de galaxies, et que c'est ce groupe-là qui va être processé au fur et à mesure du temps, qui va donc arriver à une fusion, et donc ces galaxies-là vont être en fait le résultat de ces groupes de galaxies qui vont être accrétés à l'intérieur de la main. Alors je vais passer là-dessus, mais je voudrais montrer ce diagramme qui est intéressant parce qu'historiquement, ce n'est pas nouveau qu'il y a effectivement des galaxies de type précoce au cœur des amas de galaxies.
Dressler l'avait déjà vu en 1980, où il montrait en fait que la fraction de galaxies spirales décroît de manière absolument dramatique lorsqu'on se dirige vers la partie centrale d'un amas, ou la partie où il y a le plus de galaxies en fait, alors que les galaxies elliptiques et lenticulaires augmentent. Alors ce qu'on voit ici, c'est que c'est un petit peu irrégulier, qu'il n'y a pas vraiment une tendance très, très, très robuste. Maintenant, lorsqu'on met à la place des elliptiques et des lenticulaires, on met les rotateurs rapides et les rotateurs lents, on voit que la tendance est très claire. On a une croissance linéaire des rotateurs rapides qui est compensée par une décroissance linéaire des spirales. Donc on a l'impression qu'il y a un processus qui transforme des galaxies spirales en rotateurs rapides. Finalement, les galaxies spirales sont processées à l'intérieur de l'amas en perdant leur gaz et en devenant une galaxie de type précoce. Par contre, les galaxies qui sont des rotateurs lents, elles n'arrivent que dans les parties très 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 centrales de l'amas, très denses. En fait, il faut, pour avoir un rotateur rapide, un rotateur lent, quelque chose de particulier qui est une fusion ou des multifusions de galaxies. Alors, ce qui nous a amené à l'époque à revisiter finalement la séquence de Hubble, mais c'est une idée, une fois de plus, il faut rendre à César, une idée qui n'est pas neuve, qui a été émise par Vandenberg il y a déjà pratiquement 40 ans, qui est en fait est de considérer que des galaxies spirales, ce sont des galaxies qui peuvent avoir des bulles plus ou moins grands, mais il suffit de prendre ces galaxies-là, cette séquence SD, SC, SB, SA, d'enlever le gaz, et vous avez une galaxie de type précoce. Et ce qu'on n'a pas réalisé vraiment, c'est qu'en fait, une galaxie de type précoce peut être très bien avoir un disque très fin avec un tout petit bulbe, finalement être une SC sans gaz. C'est un petit peu étonnant, mais ça existe. Et donc finalement, on a des galaxies spirales avec du gaz et de la poussière, on a des galaxies anémiques qui sont un petit peu entre les deux, qui ont encore un petit peu de gaz, un petit peu de poussière, mais pas beaucoup, et les galaxies, les fameuses lenticulaires, qui sont la même chose, mais sans gaz. Alors comme il n'y a pas de gaz, l'évolution fait qu'elles s'épaississent un petit peu, mais globalement, ce sont les mêmes galaxies, et tout ça sont définis par les rotateurs rapides. Donc ça a un sens de les mettre dans le même panier, finalement. Et ces galaxies-là, entre E0 et E4, sont les rotateurs lents, et c'est vraiment une famille différente, avec une dynamique différente. Donc on le voit ici de manière plus imagée, avec ces galaxies qui peuvent, comme 44-52, qui peuvent être comme des galaxies spirales avec des disques très fins et un petit bulbe, mais pas de gaz ou pas de poussière. Et tout ça correspond à une évolution du moment angulaire stellaire qui va croître avec le fait qu'il y a plus de disques que de sphéroïdes, qui va passer des lenticulaires aux spirales en ajoutant du gaz et en faisant des galaxies de plus en plus grosses, et augmenter la fraction d'étoiles ex situ dans les rotateurs lents. Alors je vous passe certains diagrammes. Celui-ci est très intéressant parce que finalement il vous retrace toute la physique de ce qu'on peut retirer de la spectrographie de ces galaxies en quelques diagrammes. Donc c'est toujours le même diagramme, taille, masse, et on voit ici simplement la partie la plus massive avec l'espèce de coin de la distribution des galaxies. Et ce que l'on a fait, c'est que pour chaque quantité, par exemple ici la dispersion ou la force de la raie Hβ, donc la deuxième raie de Balmer, mais cette fois-ci stellaire, qui est relativement coïncidente avec l'âge des étoiles. Hβ est très fort si l'âge des étoiles est jeune, si l'âge est petit. Ce que l'on voit, c'est que finalement, elles ont, quand on moyenne ces valeurs au sein de ce diagramme taille-masse, les couleurs changent toujours à peu près avec la même direction, avec les mêmes orientations. Et cette orientation, ce sont les courbes bleues, qui sont en fait des courbes de dispersion constante. Donc finalement, si vous connaissez la dispersion globale, vous mesurez la dispersion globale des étoiles dans une galaxie, vous pouvez en gros prédire l'âge moyen des étoiles, vous pouvez prédire par exemple la force de certaines raies, vous pouvez prédire son rapport masse-luminosité. Alors tout ça en moyenne, ça ne marche pas individuellement, mais si vous moyennez un ensemble d'objets qui ont à peu près la même dispersion, vous obtiendrez les bons chiffres. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que finalement, la dispersion, c'est le meilleur prédicteur de toutes ces propriétés. Une chose à propos du plan fondamental, justement, donc dans les relations d'échelle, qui prédisent justement qu'il y a une relation entre la masse, la taille et la dispersion, on devrait retrouver le théorème du Viriel qui doit nous donner une distribution des galaxies très, très peu dispersées
dans un plan qui lie justement ces trois valeurs, dispersion, masse et rayon. Alors lorsqu'on le fait avec la luminosité, elle dépend du rapport masse-luminosité. Ça dépend de si les étoiles sont vieilles, si elles sont riches en métaux. Et donc on a une dispersion assez forte et des paramètres de proportionnalité, par exemple ici B et C, qui sont 1,2 et pratiquement 1, pour la proportionnalité en dispersion et en rayon, qui devraient être dans le viriel 2 et 1. Donc ils sont relativement éloignés du viriel. Et ça, c'est simplement dû à un effet de population stellaire, de l'âge des étoiles et de la métallicité. Maintenant, si on se met, au lieu d'avoir un plan fondamental avec une luminosité, on se met en masse, on retrouve une dispersion très... Vous voyez que le diagramme, c'est très resserré. Il n'y a pratiquement plus aucune dispersion. Et on a des paramètres qui sont pratiquement ceux du viriel, mais pas tout à fait. En fait, si on le fait maintenant en prenant un rayon qui correspond à un rayon physique de la galaxie, on a une dispersion qui est extrêmement faible et on a des paramètres B et C qui correspondent au viriel. Finalement, on retrouve enfin le viriel à partir des observations de ce type. Alors, la dernière chose que je vais faire très rapidement, puisqu'il me reste 5 minutes, c'est vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le futur en vous parlant des résultats qu'on a obtenus ces dernières années, mais qu'on espère aussi obtenir dans les années qui viennent. Et souvent, ces résultats sont faits avec ce qu'on appelle des spectrographes intégraux de champ, qui permettent justement d'avoir la spectrographie, la spectroscopie d'un objet dans un champ contigu à deux dimensions. Donc finalement, de couvrir la totalité de la galaxie. Juste pour vous faire la publicité d'un instrument qui est remarquable, qui s'appelle MUSE, qui est au VLT au Chili, le principe est à peu près toujours le même dans un spectrographe intégral de champ. On prend une image de galaxie, par exemple, on va la mettre à l'intérieur d'un système optique assez complexe, on va découper ce champ de telle façon à prendre une partie de la lumière, donc d'abord on déforme le champ, on va prendre une partie de la lumière de cette galaxie et on va la faire passer à travers ce qu'on appelle un découpeur d'image qui va découper en fait cette image en bandes séparées qui vont chacune aller vers des miroirs individuels. Donc c'est une optique vraiment de haute technologie. Chaque bande elle-même va être redécoupée plusieurs fois et à la fin va passer dans un spectrographe qui va disperser la lumière et vous obtenir des spectres pour chaque point de ces bandes-là. Et finalement, le jeu pour l'astronome à la fin, c'est de reconstituer cet ensemble de poses, où là, ici, il y a 24 spectrographes séparés, donc 24 détecteurs, de les remettre tous ensemble et de refaire une pose entière de galaxies, avec les spectres à chaque position. Alors, hop. Donc, je vais passer sur le film, si je peux, s'il me permet de le faire. J'ai pas l'impression. Ah, voilà. Donc je vais passer là-dessus. Alors il y a beaucoup de surveys en ce moment qui sont en cours. Et je voulais juste vous montrer des exemples de plusieurs surveys dans les deux minutes qui me restent. Il y a un survey Khalifa qui est fini aujourd'hui, qui a permis d'avoir 600 galaxies. C'est le diagramme lambda R epsilon avec 600 galaxies. Donc ça commence à devenir intéressant. On commence à avoir de la statistique. On a aussi un survey SAMI qui a à peu près 3000 galaxies qui sont faites dans le sud et pour lesquelles il y a aussi maintenant une étude de différents amas très denses de galaxies où on permet d'avoir maintenant des observations d'amas qui sont beaucoup plus distants que ce qu'on avait avant. Et puis il y a Manga dont je voulais vous parler qui a déjà 5000 galaxies obtenues sur 10000 qui vont être obtenues encore dans les 2-3 prochaines années. Et là on parle vraiment d'un diagramme lambda R epsilon qui devient significatif. Là, on a 2500 galaxies, c'est-à-dire c'est la moitié de l'échantillon qui est disponible. Et on voit la tendance dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que les points ici sont colorés par rapport à la masse de ces galaxies. Les rotateurs lents sont principalement des galaxies très massives. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que maintenant qu'on a de la statistique, on peut vérifier quelque chose de fondamental pour nous. On voit qu'il y a cette tendance avec la masse, et on a vu qu'il y avait cette tendance d'avoir des galaxies de type précoce rotateurs lents dans les parties denses d'amas. Mais alors, qui est la source? Est-ce que c'est la densité de galaxies qui fait les choses ou est-ce que c'est la masse? Ben, on peut vérifier ça parce que maintenant, on a 3000 galaxies. Donc, on peut faire des échantillons significatifs et on s'aperçoit qu'en fonction de la densité des galaxies qui augmente vers la droite, quand on prend des galaxies de type précoce au-dessus d'une certaine masse ou en dessous d'une certaine masse, la distribution est relativement plate, aux erreurs et aux incertitudes près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas l'environnement qui joue, c'est la masse. Finalement, pourquoi on voit des rotateurs lents au centre des amas? C'est simplement parce que les galaxies à très grande masse se forment à ces endroits-là. Et ça, c'est fondamental pour l'interprétation des processus qui vont permettre de former et d'assembler ces galaxies.
Alors j'avais préparé, si le temps le permettait, ce qui n'est pas l'air d'être le cas, une partie sur les galaxies extrêmes. Donc je vais juste vous donner la punchline, comme on dit. Donc excusez-moi de passer très rapidement. Mais en gros, ce que l'on voit à très grande masse, donc au-delà de 10 puissance 12, au-delà de 10 fois, enfin c'est 10 fois la masse de Messier 87, on s'aperçoit que, selon les symboles ici qui vous donnent la structure dynamique, on s'aperçoit que la moitié de ces galaxies ont une morphologie très particulière qui est une morphologie prolate. Alors pourquoi c'est possible ? Eh bien justement, à ces masses-là, la seule façon de grandir, c'est pas de grossir ou de croître en masse, ça n'est pas de fusionner deux galaxies spirales, parce qu'il n'y a plus de galaxies spirales à ces masses-là, donc on ne peut pas en fusionner. On ne peut pas non plus accréter du gaz, parce qu'il n'y a plus de gaz à accréter. L'univers a trop évolué et le gaz a été consommé, il n'est plus dans les grandes structures cosmologiques. Donc le seul moyen, c'est de prendre des galaxies qui sont déjà très massives et qui ont donc une grande chance d'être de type précoce et de les fusionner. Et quand vous faites ça, en fait, vous prenez des galaxies qui sont extrêmement massives, donc au centre des amas, et vous fusionnez en fait deux galaxies centrales d'amas. Mais ces galaxies, elles ne sont pas distribuées n'importe comment, elles sont dans les grandes structures, et donc lorsqu'elles fusionnent, elles font fusionner radialement, principalement radialement, et quand vous faites une fusion radiale de deux galaxies elliptiques ou de type précoce, de manière pratiquement majoritaire, vous allez obtenir une galaxie de type prolat. Donc finalement, la dynamique et la structure morphologique de ces galaxies nous dit comment elles ont été formées, même si naïvement, on aurait pu deviner simplement sur leur position dans ce diagramme. Et donc ça, c'était mes conclusions. Donc on a vu, au niveau des classifications historiques, le problème de elliptique lenticulaire, qui pour moi, c'est une opinion, hein, il y a un débat là-dessus, n'est pas pertinente et même dangereux, en particulier à grand Z où on a du mal à faire la différence. Plus de la moitié des galaxies elliptiques sont en fait mal classifiées, donc si après on a une interprétation astrophysique des diagrammes quand on sépare ces deux populations, on a une interprétation qui va être fausse, en tout cas faussée. La classification dynamique aujourd'hui, elle a un sens, elle n'est pas magique, hein, ça a été inventé il y a 40 ans déjà, mais elle a été raffinée avec des instruments en plus qui marchent très bien aujourd'hui. Et on arrive maintenant à retrouver les choses que l'on voulait retrouver, le vie réelle, lorsqu'on vraiment regarde la galaxie dans son entier, la relation morphologie-densité, mais vraiment de manière claire. Et au terme de processus de formation et d'assemblage, on voit que plus on va dans les grandes masses, finalement, plus il y a un biais vers la fusion ou l'assemblage de galaxies. Les galaxies qui sont à petite masse croissent principalement en formant des étoiles à l'intérieur de leur disque, alors que les galaxies à grande masse et de type précoce vont croître par fusion avec des petites ou des grosses galaxies. Donc le futur, ce sont les instruments présents. Il y en a des magnifiques, comme MUSE, dont je vous ai très rapidement parlé. Des campagnes comme MANGA, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Et un besoin de simulation numérique. On a des simulations numériques qui marchent très bien pour certaines choses, mais lorsqu'on regarde dans le détail, en particulier à ces échelles-là, ça ne marche pas très bien. La physique baryonique est très complexe, et pour faire le lien entre ces grandes structures cosmologiques et la physique baryonique qui a besoin d'une échelle très petite, c'est très compliqué. Alors, le futur, c'est de pouvoir prendre des spectres comme celui-ci, qui est un spectre dans l'optique, et de pouvoir ajuster ce spectre avec un ensemble de modèles, et de pouvoir ainsi reconstituer avec la spectrographie intégrale de champ les cartes de masse des étoiles à différents âges, qui va nous permettre de comprendre comment cette galaxie a évolué et s'est assemblée. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour toutes les galaxies de manga, pour toutes les galaxies qui sont observées avec MUSE. Donc ce sont des outils maintenant qui sont assez robustes, qui ont des incertitudes, et ces incertitudes, on essaie évidemment de les diminuer. Et juste pour vous montrer un dernier diagramme, c'est encore un diagramme lambda R epsilon, pour lequel ici on avait l'échantillon que je vous avais montré au début, d'autres échantillons de différentes galaxies, de différents surveys, et ces deux derniers qui en fait proviennent de simulations numériques, où cette fois-ci, on a toute l'information des galaxies, donc on peut comprendre d'où elles viennent, comment elles se sont formées. Alors, elles ne sont pas parfaites, ces simulations, donc les processus ne sont pas encore très robustes, mais on voit qu'on arrive à peupler ce diagramme lambda R epsilon, et donc on arrivera à faire le lien de manière assez facile avec les observations. Le problème étant qu'on ne peut pas modéliser en détail chaque galaxie lorsqu'on en a des dizaines de milliers. Quand on en a 5 ou 10 ou même 100, on arrive à le faire, on l'a fait jusqu'à 300-400. Pour des échantillons qui arrivent, comme pour manga, ça devient difficile. Et je vous remercie.